Bonjour, je suis Sébastien Cabal, le vigneron du domaine de l'Arduray et le créateur du site arduray.com dans lequel je vous propose mes vins de Gaillac en ligne. Les vendanges qui ont débuté le 22 août 2011 cette année étaient très précoces en raison du climat très très sec de ce mois d'août et de juillet. Tous les vins aujourd'hui sont en passe d'être terminés. Et ils vont démarrer la phase d'élevage qui va aller de décembre jusqu'à février, au cours de laquelle ils acquériront leurs arômes corsés et typiques des vins de Gaillac que je vous propose. Une récolte qui a été de très bonne qualité avec des raisins magnifiques qui nous a permis de faire des vins qui sont à la fois fruités et corsés, qui devraient être d'une bonne robustesse et libre entre le degré et les arômes. Je fais cette brève vidéo pour vous présenter la sortie du Gaillac Primeur le jeudi 17 novembre 2011. Dans quelques jours bien maintenant, vous aurez l'occasion, comme ceci, de déguster le nouveau millésime et vous pourrez vous faire un avis sur cette récolte 2011 qui, à mon avis, est assez exceptionnelle. Le Gaillac Rouge Primeur du domaine des Ardurelles, qui vient d'être mis en bouteille il y a quelques jours de ça en fait, et je suis en train de l'étiqueter pour vous le proposer à la vente le jeudi. Avec des arômes fruités de cassis et de petits fruits rouges. Un vin délicat, c'est comme tous les vins primeurs, fruité, aromatique, je pense qu'il devrait vous faire plaisir. Idéal éventuellement sur la charcuterie, du fromage, mais aussi peut-être un apéritif en fait, pour juste découvrir avec des tapas le nouveau millésime. Et il y a aussi le disponible avec le Gaillac Blanc Sec. Un primeur fruité aux arômes d'agrumes. Achetez ces vins en ligne, gamme. Le Gaillac Primeur qui est récolté à la main dans des caissettes, introduit dans des cuves qui sont saturées de gaz carbonique pour une macération carbonique qui va extraire les arômes de la peau en fait. Primeur sera cassis. Un arôme très agréable, un vin très agréable qui vous permettra de découvrir ce nouveau millésime. Avec lui, il accompagne le primeur blanc sec, un vin blanc sec, fruité aux arômes d'agrumes, qui des raisins qui ont été récoltés de très bonne heure et qui étaient vraiment juste à maturité en fait, avec la bonne acidité et le bon équilibre, degré acidité. Un vin qui ira très bien en apéritif, éventuellement avec du kir, mais aussi tout seul, avec des fruits de mer et aussi avec des huîtres, peut-être pour vos repas de fin d'année, ce serait une très bonne idée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.